Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie où vous allez pouvoir être en semi-god mode. Alors si je vous dis semi-god mode c'est parce que vous allez être invincible contre tous les zombies mais par contre les petits boss eux peuvent vous tuer. Alors logiquement ce glitch fonctionne sur les deux maps, j'ai pas testé mais je suis sûr à 100% que ça fonctionne sur toutes les maps qui vont arriver sur Call of Duty Cold War Zombie. Bien entendu si ils patchent le glitch ben là ça ne fonctionnera plus. Mais tant que c'est pas patché ça fonctionnera sur toutes les maps. Alors ce que vous devez faire c'est très très simple mais il faut être minimum 2 joueurs. Ensuite il vous faudra au moins une bombe singe. Alors la personne qui héberge la partie ne doit pas avoir le singe, c'est celui qui rejoint la partie qui doit prendre le singe. Donc celui qui a rejoint, il récupère un singe et ensuite ce qu'il doit faire c'est envoyer le singe en l'air. Et dès que le singe est en l'air, la personne qui a hébergé la partie met pause. Il faut absolument que le singe ne touche pas le sol. Même si le bombe singe est à 1 cm du sol, tant qu'il touche pas le sol, ça fonctionnera. Alors quand la personne qui héberge la partie a mis pause, la deuxième personne qui a lancé le singe doit quitter la partie. Ensuite la personne qui héberge la partie peut enlever la pause. Et l'autre personne qui a quitté la partie peut re-rejoindre la partie. Et là vous allez voir que tous les zombies vont aller sur le singe, mais le singe ne disparaîtra jamais. Donc tous les zombies, peu importe où vous allez dans la map, sera attiré par le singe. Même si vous allez essayer d'allumer l'électricité, les zombies ne seront même pas attirés par le générateur d'électricité, mais seront attirés par le singe. Alors je me pose la question, est-ce que si vous allez au boss, ça fonctionne aussi? Alors je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. Mais pour être sûr que ça fonctionne, essayez de faire cette étape au spawn. Comme ça c'est sûr que le singe sera directement au spawn. Justement où il y a le combat de boss. Mais après c'est possible que ça fonctionne quand même, même si vous l'envoyez dans la base. Le seul petit problème c'est que si vous voulez enlever ce god mode, c'est impossible, il faudra absolument quitter la partie et relancer une partie pour que ça enlève le glitch. Sinon pendant toute la game, ce sera glitché comme ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.